Très bien. On va poursuivre notre enseignement de ce temps. On était en train de parler des enfants, obéissez à vos parents, n'est-ce pas? D'accord. Vous avez compris que dimanche passé, je n'étais pas là parce que j'étais en Ouganda. Et puis, j'étais dans la province du Haut-Ouélé où j'étais allé visiter les mines. Et là, on est de retour depuis ce matin. Je suis rentré vers 7h, 8h, quelque chose comme ça. Mais ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que nous avons un fabuleux pays, un merveilleux pays. Nous n'avons pas envié l'Ouganda et les autres pays, certainement, mais ils ont ce que nous n'avons pas. En fait, nous avons tout ce qu'eux n'ont pas en termes de richesse, en termes de potentialité, en termes de même d'infrastructure. Hein. Par rapport à l'Ouganda, on est quand même assez élevé, assez supérieur. Mais ils ont quelque chose que nous n'avons pas et c'est ce qui justifie notre sous-développement. Ils ont l'ordre et la discipline. En fait, quand vous arrivez chez eux, vous sentez qu'il y a un État, vous sentez qu'ici il y a un président, vous sentez qu'ici... En fait, vous sentez. C'est-à-dire que même les choses que nous banalisons ici chez nous, chez eux, c'est quand même assez important. Et je pense que c'est la meilleure manière pour faire développer un pays comme le nôtre. Si vous n'avez pas d'ordre, vous n'avez pas de discipline, ben c'est à vous de voir en tout cas. Hier, par exemple, leur président avait parlé, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais ce qui était intéressant, c'est que tout le monde écoutait ce qu'il disait. Et vous avez de l'ordre et vraiment de la discipline. Quand vous êtes, par exemple, à Entebbe, qui est à quelques 26 minutes de la capitale, c'est là où le président réside, vous sentez qu'il y a un ordre terrible. Les animaux et les hommes cohabitent ensemble. Ça veut dire que, par exemple, là où nous on était, les singes pouvaient venir juste dans ta cour et manger et partir. Et tu n'as aucun droit de le tuer. Tu ne peux même pas jeter une pierre. Donc, c'est, à la limite, ça ne peut être réalisé que dans l'ordre et la discipline. Ce que nous n'avons pas. Tu peux faire toute une route, toute une voie, tout un trafic sans voir des papiers à gauche et à droite. Et c'est quand même bizarre parce que même les chauffeurs, les motos, tout ça, ben, le principe est les casques. Le principe, c'est les casques. Et ils le savent, en fait. Et chez eux, comment on appelle ça? Le couvre-feu, c'est à 19h. Vous n'avez 19h, hein? Quand je dis 19h, c'est vraiment 19h. Vous n'allez pas entendre « Oh, la commission a dit, oh, Senko a fait, oh, parti à marche. » C'est inimaginable. Inimaginable, même si on ne veut pas, je ne pense pas à la dictature, mais en tout cas, vraiment pas à la démocratie. Je pense plutôt à un système de restriction de certaines libertés au profit du travail, comme à l'époque de Mobutu, il y avait les salongos, il y avait beaucoup d'autres choses qui se faisaient à l'époque. Je pense qu'on peut reprendre les mêmes habitudes pour aller de l'avant. Alors, on était en train de parler des enfants, obéissez à vos parents. Cette recommandation, elle est très importante parce que c'est même ça qui fonde un État. Vous savez, lorsque vous vivez dans un pays où chacun connaît sa place, c'est le début du développement. Lorsque tout le monde, chacun connaît sa place, les enfants connaissent leur place, les parents leur place, les femmes leur place. Et c'est comme ça que vit une société. Mais lorsqu'on vit dans un pays où personne ne connaît sa place, où les enfants prennent la place des parents, où les parents prennent la place des enfants, où on ne sait vraiment pas qui est qui, on tombe dans un désordre, mais alors un vrai désordre. Et à la fin de compte, personne ne s'en sort. Et ce qui est fondamental à retenir, c'est que dans un état comme ça, tout le monde est réprochable. Et tout le monde est reproché, mais il n'y a pas de solution. Ça veut dire, avant, les gens mouraient parce qu'ils ne savaient pas pourquoi les gens mouraient. Et les gens mouraient comme ça. À l'époque, par exemple, en Angleterre, il y a eu une période où les gens mouraient de ce qu'on appelait à l'époque polio, palou et toutes ces choses-là. Les gens mouraient de ça, vraiment. Mais puis, à un moment donné, les scientifiques se sont posés des questions. Mais pourquoi les gens meurent de cette maladie? Lorsqu'on va faire des recherches, on va se rendre compte que c'était des puits perdus, enfin, des puits qui étaient à l'origine de toutes les maladies. Donc, des souris mouraient et tombaient dans le puits et ça mettait tout le monde dans un mauvais état. Aux États-Unis, jusqu'à un moment donné, on ne savait pas pourquoi. Bah, on pensait que « kake zaki » expression en Zambé. Un peu comme dans nos villages. Soi kake beti, les gens se disaient que Dieu a parlé. Pourtant, ce n'était pas l'expression de Dieu, c'était l'expression de la nature. Et c'était par des questions que les gens se sont posées. Benjamin Franklin, un jour, se réveillait. Il a dit « Bon, je vais d'abord expliquer ce qui se passe. Comment ça se passe ?» Et il a inventé cette histoire paratonnerre. Voilà. C'était d'abord parce que les gens se sont posé des questions. Comment sommes-nous arrivés là? Mais aujourd'hui, bizarrement, nous connaissons pourquoi nous mourons. Nous connaissons pourquoi nous ne voulions pas. Mais personne n'a le courage de prendre des décisions, de prendre des mesures importantes.
enfants, obéissez à vos parents. Non, honorer vos parents, c'est aussi rendre gloire aux parents des autres, à vos parents, pardon. Nos parents peuvent être ton père et ta mère, mais nos parents peuvent être aussi nos ancêtres. Alors, je prends ça dans les cas général du pays et puis on prendra dans les cas individuels. Dans le cas du pays, nous avons des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour ce pays. Il y a des gens qui sont morts pour ce pays. Donc, notre marche, c'est leur rendre honneur. Il faut qu'ils retrouvent le sens de leur lutte dans nos actions de tous les jours aujourd'hui. Mais nous, on est à 80 degrés d'écart avec ce qu'eux ont fait. Prenons quelques exemples. Aux États-Unis, vous avez des gens comme Jefferson, comme Quincy, comme Washington. Ils sont nombreux, hein. Et pas seulement eux. Benjamin Franklin, dont je viens de vous parler, Delano Roosevelt, ils sont nombreux. Des hommes et des femmes qui ont réfléchi à comment va être l'Amérique. Aujourd'hui, si Abraham Lincoln, aux États-Unis, réapparaît, et on lui dit que, tiens, tu sais qu'avant Biden, parce que s'il réapparaît aujourd'hui, on lui dit, Biden est président, il va dire, c'est normal. Si on lui dit, mais avant Biden, il y avait Donald Trump, il va dire, ben, c'est normal. Mais si on lui dit qu'avant Biden, avant Donald Trump, il y avait un Obama, il s'étonnera terriblement, il ne comprendra jamais. Il dira, ah bon, on a fait ça. C'était des rêves des siècles, et des siècles. Parce qu'il y a des gens qui ont rêvé pour que l'Amérique soit l'Amérique. Des hommes, voyez-vous, qui ont rêvé pour que l'Amérique devienne une nation puissante, une nation forte. Vous avez le premier noir qui a travaillé à la Maison Blanche, en fait, je veux dire, avec un poste assez important, c'est même pas Obama, c'est Booker T. Washington. C'était un fils d'esclave, mais qui a été comme un majordome à la Maison Blanche et qui a évolué pendant très longtemps. Son rêve le plus fou, c'était que le noir ne mette plus des uniformes quand ils sont dans la Maison Blanche, mais que ce soit des hommes qui donnent des ordres. Parce que Booker T, toute sa vie, il ne faisait que recevoir des ordres. Je veux du café noir, il amène du café noir. Je veux du café blanc, il amène du café blanc, ou du café violet, ou du café violet, si vous voulez. Donc, c'était quelqu'un qui était là pour subir la volonté des autres. Et il le disait à ses enfants, mon plus grand rêve, c'est qu'un jour, les noirs ne puissent pas s'habiller en uniforme en venant ici, mais que les noirs puissent donner aussi des ordres. Alors aujourd'hui, réveillez un monsieur comme Washington, vous lui dites, comme Booker T, vous lui dites, mais écoutez, monsieur Booker T, Obama est président de la République. Son âme repose en paix, parce qu'au moins, il a atteint un objectif. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on honore les ancêtres. Et dans la lutte d'Obama, il a fait plaisir à plusieurs générations de combattants. Des hommes comme Martin Luther King, bien d'autres personnes, Malcolm X, des autres, Garvey. C'est des hommes qui aujourd'hui, dans la lutte d'Obama, se reconnaissent. Et il n'y a pas qu'Obama, il y a des Noirs qui aujourd'hui influencent, impactent l'Amérique positivement. Toute invention portée par un Noir a eu pour objectif honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés avec la bouche, avec la langue, avec le combat du Noir en eux. En France, c'est la même chose quand vous avez des gens comme De Gaulle. Si aujourd'hui De Gaulle se réveille, c'est vrai qu'il va être très déçu avec la démocratie à la française aujourd'hui, où on peut gifler un président. Il sera certainement un peu choqué, mais au moins sur certaines choses, il sera d'accord, parce qu'ils ont parlé de l'égalité, de la fraternité et de la liberté. Ces trois valeurs sont respectées par le français. Bon, pas vraiment à la perfection, mais on le sent quand même. On sent une certaine égalité. On sent une certaine fraternité, une certaine, bien évidemment, fraternité. Sauf si on veut y mettre un peu la dose de nous qui venons de l'étranger. Bref, mais au moins, de façon générale, de façon globale, vous avez des hommes qui respirent les rêves de leurs ancêtres. Victor Hugo, pour les Français, il dit aux Français, il dit, faisons en sorte que nos rêves deviennent la réalisation de nos enfants de demain. Ça veut dire, battons-nous, travaillons, faisons tout ce qui est possible pour que nos enfants ne vivent pas tête baissée, pour qu'ils vivent tête haute. Aujourd'hui, les Français sont une grande puissance. La France est une grande puissance. Ça reste à siège dans le Conseil des Nations Unies, parmi les 5 membres permanents. Ils sont là. C'est les rêves, en fait, les grands rêves de leurs aïeux. Ils se sont dit, on va aller. Et ils sont allés. Voyez-vous, en Russie, partout, vous allez voir, ceux qui ont suivi ont travaillé pour corriger, d'accord, améliorer les conditions de vie de leurs enfants, améliorer les conditions de vie de leur progéniture.
Et partout comme ça. Mais c'est en Afrique que vous trouvez la contradiction entre ceux qui sont morts pour, entre guillemets, ces pays-là et ceux qui sont aujourd'hui. On va d'abord parler des pays de loin, 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 loin. Ici, on parlera même après. Parce que ce n'est pas le bon moment avec cette histoire de hold-up, c'est compliqué. Mais parlons d'abord du moment là-bas, 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 là-bas. Vous avez par exemple le Burkina Faso. Le Burkina Faso, il y a un homme qui a dit « Vaut mieux de l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour certains. » C'est Thomas Sankara. Ces jeunes gens, il était jeune à ce moment-là, mais il arrive quand même à prendre le pouvoir. Et quand il prend le pouvoir, il a son ami Blaise Compaoré, qui est à la limite ivoirien, mais bon, dissimulé en Burkinabé comme ils sont frontaliers. C'est ainsi que moi, je ne partage pas le point de vue du président de la République sur la question des nationalités. Je trouve que le président aborde cette question vraiment pas de la manière la plus... je ne vais pas dire un terme qui va choquer, mais pas de la manière qui nécessite les vrais enjeux en ce moment. Le président a tendance à banaliser cette affaire, à normaliser. Pourtant, nous ne sommes pas dans une situation normale. On est dans une situation post-crise où la question de la nationalité est plus importante que la question des mines. La question de la nationalité enveloppe la question de la sécurité et de la défense. On ne peut pas prendre ça à la légère. On ne peut pas surtout croire que ce n'est pas un sujet important. Ça l'est. C'est très important. Alors, vous avez un monsieur comme Sankara qui dit « Moi, je pense qu'il faut que tout le monde mange, hein, que tout le monde boive, que moi mange, tout ça, tout ça, tout ça. » Mais ce qui est venu après, ce qui s'est passé après au Burkina Faso, rien à voir avec les rêves de Sankara, rien à voir. Il n'y a pas de l'eau potable pour tout le monde. Non. Il y a eu par contre des champagnes pour certains et même pas d'eau pour les autres. En fait, nous, en Afrique, nous avons créé des systèmes miraculeux. Non, mais je veux dire miraculeux. Il faut être des génies pour créer ce que nous, on a pu créer. Nous, on a pu créer l'enfer et le paradis sur une même terre. Ça ne peut pas exister. Mais nous, nous l'avons quand même fait. En Afrique, soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre. Soit vous avez, soit vous n'en avez pas du tout. Il n'y a pas une classe intermédiaire. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a l'égocentrisme, l'égoïsme, la mauvaise gouvernance, les détournements. Mais tout ça, c'est une mentalité, en fait. Une mentalité de jouissance, d'irresponsabilité, d'insouciance. Je ne veux pas juste dire d'ignorance, parce que nous, on a développé la culture de l'ignorance, la culture de ne pas savoir, la culture de ne pas connaître pour ne pas être responsable après. Et vous avez ça comme ça. Ceux qui sont morts pour nos indépendances, à l'époque, ce n'étaient pas des grands intellectuels, non, pas du tout. Mais c'était des hommes qui avaient une éducation, mais qui n'avaient peut-être pas une grande instruction. Mais nous, on a inversé les choses. On a plus de diplômés, mais plus on a des diplômés, plus on a des bourriques, et vraiment des bourriques. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que vous êtes dans un pays où vous avez l'eau qui, finalement, couvre toute la partie de votre pays, mais vous avez encore des foyers qui n'ont pas d'eau. Je peux vous dire qu'au Congo, les gens se servent beaucoup plus des forages, de sources, que de la régie des eaux. Mais c'est une aberration terrible. Une véritable aberration. La situation de notre pays est un blasphème. C'est-à-dire, tous les jours, nous insultons Dieu. Quand les Congolais ont faim, c'est une insulte à Dieu. Quand les Congolais ont mal, c'est une insulte à Dieu. Parce que vous avez tout pour réussir. Tout. À l'exception de rien. Tout pour réussir. Quand on parle des avions, on voit votre coltan et votre cobalt ici. Quand on parle de véhicules, on voit votre lithium ici. Quand on parle de téléphone, on voit vos matières premières. Ça veut dire qu'il n'y a aucune invention dans le monde qui ne nécessite pas vos matières premières. Mais comme les gens savent qu'ils peuvent, avoir toutes ces matières premières sans passer par vous, eh bien, ils les font. Entre temps qu'ils souffrent, c'est vous qui souffrez. Mais après, vous remplissez les aéroports parce que vous devez recevoir des gens. Vous devez recevoir le président de la République qui doit revenir. Vous devez aller le recevoir. Vous êtes tout nombreux là-bas. Quand c'est un opposant qui doit venir, vous devez aller l'accueillir pour entrer. Tout nombreux, mais quand on vous demandera de sortir dans la rue pour protester l'électricité, le manque d'électricité, le manque de courant, vous n'en parlez pas. C'est ça notre plus grand problème. Lorsque vous arrivez à applaudir les voleurs, les tricheurs, les malhonnêtes, vous arrivez quand même à les applaudir parce qu'ils sont de votre côté, parce qu'ils sont de votre tribu, ils sont de votre ethnie. Il y a un problème qui ne marche pas. Moi, j'ai été plusieurs fois appelé par entre guillemets, certains notables équatoriens pour me raconter. J'ai à un moment donné même pas mal répondu, mais j'ai quand même... J'ai pas été gentil avec un monsieur qui m'appelle pour me parler d'une autorité équatorienne. Otikiye, Félix Tshisekedi, Otiki Mouto Équateur, je dis, mais t'es malade, à un moment donné, il faut vraiment être sérieux. Je pouvais me taire si t'étais quelqu'un de la rue, mais t'es un intellectuel. À un moment donné, est-ce que tu laisses ton cerveau à la maison ou tu te promènes avec?
Parce que le cerveau, on ne doit pas le laisser à la maison, on doit se promener avec. Le cerveau, c'est comme les chargeurs de ton téléphone. Autant que tu ne le laisses pas chez toi à la maison, tu dois toujours l'avoir. Donc tu ne peux pas m'appeler moi pour dire un monsieur des locataires qui a volé l'argent de la République, et vous attendez à ce que moi j'en parle. Et pas parce que je suis journaliste, mais parce que je suis d'abord de l'Équateur. Donc tu en fais un problème tribal, un problème ethnique. Donc notre caractéristique équatorienne, c'est le vol maintenant. Quand les gens volent, il faut que je le soutienne. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce qu'à un moment donné, les gens sont sérieux? Moi, je dois soutenir les voleurs. Donc je viens à l'école de la sagesse, on apprend, il faut lutter contre le vol, et vous me voyez demain, non, nous, ressortissants de l'Équateur, nous disons, non mais attendez, ça ne sortira jamais de ma bouche, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que ça n'honore pas nos aïeux. Ces pratiques n'honorent pas nos aïeux. Regardez Lumumba, regardez Kasavubu, regardez tous ces gens-là. Vous n'entendrez pas qu'ils ont laissé des grandes maisons, ils ont laissé de grands comptes en banque. Non, ils n'ont pas laissé de grands comptes en banque. Ce n'est pas des gens qui avaient d'abord le but de s'enrichir. C'est scandaleux d'apprendre qu'un président de la République a braqué son pays. C'est scandaleux. Ailleurs, c'est comme on a dit, comme ce monsieur-là a dit, ailleurs, ce sont des voleurs qui braquent les banques. Mais ici, c'est l'inverse, c'est des gens qui braquent les institutions. Et vous trouvez ça. Et puis, il y a des gens, excusez-moi de le dire quand même, je vais être assez méchant, écervelés, qui prennent quand même, qui ont même le temps, le mot. De dire non, vous savez, vraiment, on pense, il n'y a pas d'emposte, on pense qu'il y a eu de voleurs, et ils ont volé le pays, point. Bah. Et puis, il n'y a pas autre chose. C'est, mes frères, en fait, nous sommes tombés par quelque chose hein, qui nous a fait perdre la tête, en fait. Ce qui fait honte aux gens, nous, ça ne nous fait pas honte. Ce qui fait taire plusieurs personnes, chez nous, ça ne nous fait pas taire. À l'époque, quand on avait des voleurs dans nos quartiers, on les cachait. On n'en parle pas. À l'époque, lorsqu'il y avait une prostituée dans le quartier, on se taisait. Mais aujourd'hui, quand on a cette sorte de personne, c'est un motif de fierté. Ça veut dire pour nous, on a eu, bon, catégoriquement, ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. Tout a été modifié. La honte, on ne l'a plus. Ce qui fait honte, on ne l'a plus. Comment tu peux être voleur? Je me pose toujours la question, comment faites-vous pour voler la République? Moi, je dis toujours à Dieu qui m'entend quand je prie. Je dis, Seigneur, si je vais demain diriger ce pays, si tu sais que je vais rentrer dans la corruption, que je n'arrive pas là-bas. Parce que je ne peux pas porter le nom que je porte et associer à cela la corruption. Je ne comprends pas. À la limite, je peux accepter de me taire. Et me taire à jamais que de défendre une sale cause. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a des gens qui me disent, mais Christian, parfois tu soutiens le président, mais appelle-nous bêtiers. Voilà, donc c'est ça les problèmes avec vous. Donc quand on soutient quelqu'un, on doit soutenir tout, dans le faux ou dans le bien. Ce n'est pas elle, moi, ce n'est pas les pires. C'est pas pour le pire et pour le meilleur. Non. Moi, je ne suis pas dans cette relation de pour le pire ou pour le meilleur. Non. Moi, je suis dans les meilleurs. Quand c'est le pire, je ne suis pas dans ton pire. Moi, je suis dans le meilleur. Je ne suis pas dans le pire. Alors, si vous êtes dans cette histoire de vous soutenir vos autorités comme des fanatiques, c'est-à-dire que à Barcelone, pour les polater, bon, on a l'équipe et l'équipe, t'as vu ça? Toi, tu as assez. T'es. N'a ma bête, on a assez. Ma bête, on a le colo. Pour battre tout le monde, on a ma bête. Si nous, on n'a pas le courage de les changer, que les gens nous disent qu'on a changé. Donc, vous voyez que dans nos actions, nous n'arrivons pas à honorer ceux qui sont morts pour nous. Lorsque vos politiciens disent. Nous voulons aller aux élections, et ainsi de suite. Excusez-moi de vous le dire, hein, mais chaque fois qu'ils parlent élections et qu'il n'y a pas de développement, ils insultent Lumumba tous les jours de la vie. Lumumba n'a jamais voulu les élections. Il n'en a jamais parlé, d'ailleurs. Lumumba avait vu ce que nous, on est en train de voir aujourd'hui. Lumumba l'avait vu 60 ans avant. Lumumba regardait l'immensité du pays. Je crois qu'il a réalisé quand il est allé en Europe. Quand il est allé en Europe et qu'il est rentré, il est allé à Accra, il a rencontré les Julius Nyerere, les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah. Quand il a rencontré ces gens, je crois que Lumumba était interpellé. Lumumba s'est rendu compte que la bataille de demain ne sera pas la bataille de qui a l'or, qui a l'électricité. Non, ça sera la bataille de qui connaît et qui ne connaît pas. Donc, avant de parler élection, apprenons d'abord nos enfants, apprenons notre population. Parce que qu'est-ce qui arrive lorsque Lumumba atterrit? Les gens sont allés accueillir Lumumba, lui demandant où est l'Ipanda. Tokyo, l'Ipanda, Yangwapi, l'Ipanda, l'Abisso. Et c'est là que Lumumba se rend compte que, c'est sérieux. Et il va quand même dire aux gens, il dit, le peuple qui nous attend demain n'a pas besoin du pain, n'a pas besoin du bulletin de vote. Il a besoin du pain et du progrès. Ça veut dire que toutes les actions politiques que nous devons mener, ces actions doivent être
doivent être axés sur le pain. Le pain, ça veut dire la production locale. Le pain, ça veut dire qu'on a la bilanga. Quand j'entends les jeunes gens dire « non, nous sommes salités », ben effectivement, bilanga, vous salinez nous. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore eu à faire. Le jour où vous arrivez à le faire, les choses changent automatiquement. Pas besoin d'une seule prière, automatiquement. Changez juste la manière de faire et les choses changent. On ne chasse pas le ténèbre par la prière, on allume la lumière, si vous voulez, permettez cette tautologie. Apporter la lumière, le ténèbre, les ténèbres partent. C'est tout. Donc, ça veut dire que pour Lumumba, déjà à l'époque, c'était comment nourrir le Congolais. Quand il dit nourrir, c'est vraiment nourrir au sens propre. Nourrir dans le cerveau et nourrir dans le ventre. C'était ça. Comment les nourrir? Nous avons des terres arables assez importantes. Est-ce qu'on ne peut pas colonna dans Mboganabiso? Je l'ai dit autrefois quand je passais une émission. J'ai expliqué aux Congolais que 1 hectare, il y a ananas, ça peut produire autant d'argent. 15 000 dollars, on peut faire 1 hectare d'ananas et ça produit 15 000 balles. Donc avec 15 000, vous pouvez encore produire plus, il faut mettre juste plus 10. 150 000. 150 000, c'est autant. Mais vous avez une population majoritairement composée des femmes et des jeunes. C'est-à-dire des jeunes et puis les femmes. Ça veut dire que vos jeunes gens que vous avez peuvent être estimés à 60 ou quelque chose de pourcent comme ça. C'est-à-dire que si vous avez bilanga, kaka, et pas nabino mona noraka bilanga. Vous avez réglé la question. On a 145 territoires. Si dans chaque territoire, nous avons des champs, des hectares. Mais vous avez réglé la chose. Si vous savez ce que le café rapporte à certains pays, vous n'avez aucune idée. Si vous savez ce que le cacao peut rapporter dans certains pays, vous n'avez aucune idée. C'est-à-dire, en termes de cacao, il y a ananas, bitabe, orange, toutes ces choses-là, cacao, café, mafutambila. Vous avez dans votre budget pas moins de 20, pas moins de 10 milliards ou 15 milliards de revenus sûrs. De revenus sûrs. Après, quand vous faites vos histoires de mines, vous avez une histoire de 30, 40, 50, 60, 70 milliards de dollars. C'est pas étonnant. Ça commence à devenir irréaliste parce qu'on a été géré par des incompétents pendant 60 ans. Et tout ce qui peut être grand est effrayant pour eux. Parce que quand on ne connaît pas, tout ce qui est grand est effrayant. Quand on ne connaît pas, ben on ne connaît pas, carrément. Vous voyez? Ça dit qu'il y a des choses que l'on peut faire aujourd'hui pour honorer la mémoire de nos parents. J'ai fait un voyage avec Paul, de Kinshasa jusqu'à Boma. Et puis moi, je suis allé jusqu'à Mwanda. Mais vous avez des étendues vertes que vous passez comme ça, 45 minutes, il n'y a rien. C'est la forêt. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que côté on a basali bilangate, basali pe le côté, balonite, babokoli pe bibolete. Bon, un peuple comme ça, il s'attend à manger quoi? Vous voulez manger le coltan ou le mine dans vos assiettes? Ça marche pas. Ça marche pas. C'est grâce à la politique agraire que Lula a pu développer le Brésil. Avec beaucoup d'intelligence, bien évidemment, sur leur potentiel, sur la forêt, ainsi de suite. Ils ont eu ce qu'ils ont eu aujourd'hui. Ils peuvent parler. Le Brésil peut dire un mot aujourd'hui. Et retenez que là où le Brésil gagne 10, le Congo gagne 1. Alors qu'en termes de potentialité, le Congo est presque la même chose que le Brésil et moins exploité que le Brésil. Ça veut dire en termes de balance, nous, on doit gagner plus que le Brésil. Mais vous ne pouvez pas gagner plus que le Brésil parce que quand il faut aller négocier sur ces affaires-là, on envoie des politiciens et des garçons de course, des gens qui ont chanté à la télévision, c'est eux qu'on envoie. Alors que les Brésiliens, quand ils doivent discuter sur ces affaires-là, ils envoient les meilleurs d'eux, les meilleurs Bango. Quand ils arrivent, moi j'ai été scandalisé, le chef de l'État est allé avec une équipe en Europe, ils arrivent aux États-Unis, quelque chose comme ça, et dans toute la délégation du chef de l'État, personne n'avait un stylo et un papier pour écrire, personne. Et quand les Américains sont arrivés, eux avaient des papiers, des documents, ils pouvaient noter. Donc les autres, c'était des savants, des génies. Quelle mémoire! Vous parlez des enjeux du pays et vous n'avez pas des stylos pour copier, ne serait-ce que pour copier. En fait, même si vous n'allez pas copier, dessinez à ta. Mais donnez même l'impression que vous êtes en train de noter. Mais ces gens-là étaient là comme ça en train de regarder. En fait, ça veut dire tout simplement, on veut partir, faites vite. Dites ce que vous voulez, dites ce qu'on va vous donner et puis c'est fini. Nous, on part. Mais s'ils voient les Chinois, d'abord quand un président chinois se déplace, il ne se déplace pas avec des politiciens,
il se déplace avec les experts dans le domaine où il va discuter. S'il parle, il va parler agriculture, il se déplace avec les spécialistes en agriculture, des experts en agriculture, des agronomes. Mais quand le nôtre se déplace, il se déplace avec des politiciens, chefs des partis politiques. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Et le monsieur va aller là-bas, il ne comprend absolument rien. Il est tout content quand il passe dans les routes, dans les rues là, dans ma cortège. Il est tout content. Mais quand il faut discuter sur les choses, il est stressé. Et c'est ça des gens qu'on envoie. Et ça, c'est depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On nous rappelle qu'à Obasanjo, au Nigeria, un jour, il veut aller discuter sur le pétrole avec le Qatar et je ne sais pas moi, un autre pays comme ça. Il pose la question aux gens. Donnez-moi la liste des gens avec qui je vais aller faire le truc. On l'amène la liste. Il regarde les noms. C'est des étrangers. Maintenant, il pose la question à son ministre de... Bref, hein, chargé du pétrole. Il dit, mais ici, pourquoi il n'y a pas des Nigériens? Gaz méthane, c'est un monsieur, je ne sais pas moi, c'est lui qui vient. Ou Abou Kabrak. Hey, le nom des Arabes. C'est eux qui accompagne votre président. Gaz méthane. Mais est-ce que vous ne pouvez pas intéresser vos frères dans cette affaire-là? Parce qu'un président de la République ne vit pas dans le présent, il vit dans le futur. Ce n'est pas un homme du présent. Il ne veut pas dire aux gens, mais nous n'en avons pas. Non, 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 il crée des conditions pour les créer. Et d'ailleurs, pour les imposer, même si possible. Malheureusement, on est encore en train de rêver. Bon. Et puis moi, j'ai entendu, un monsieur m'a dit, non, mais Moni, Machiavel a dit, le réalisme. Ben, le gars ne comprend pas que le réalisme de Machiavel, ce n'était pas le réalisme du présent. Le réalisme de Machiavel, c'est un réalisme global. C'est un réalisme du futur. C'est comment ça doit être fait. Pas comment ça se fait, comment ça doit être fait. Parce que Machiavel, c'est au-delà de tout, c'est un idéaliste. Il est réaliste, mais il est idéaliste en même temps. Parce qu'il veut t'imposer sa logique à lui. Tu n'es pas cette logique-là, mais il veut t'imposer que tu sois comme lui il est. Tout leader ne peut pas vivre dans le présent. Le leader vit dans le futur. Il est dans le futur. Ce sont ses contemporains qui vivent dans le présent. Lui, il voit déjà comment ça va se passer. Comment le code de la sagesse va être demain, comment ça va s'organiser, dans quel type de salle ça va commencer à se faire, comment ça va... On est là-bas. On est là-bas. Mais malheureusement, nous, on n'est pas dans ça. Donc, vous allez voir que nous n'honorons pas nos aïeux, nous ne les honorons pas, nous ne rendons pas honneur à Batouana. Lumumba pleure toute le fois où il est chez lui, il est en train de pleurer, il se dit, mais est-ce que Batou va se comprendre? Quand il se voit, il voit des débats. Débat, il y a élection. Il est triste là où il est. Il dit, voici le peuple qui ne comprend même pas c'est quoi voter. Voici le peuple qui ne comprend même pas pourquoi on doit élire. L'élection au Congo, c'est encore comme un marché où l'on vend des voix. On est encore au niveau du vote tribal, ethnique. Ça fait 3 cycles. On ne change toujours pas. On ne comprend toujours pas. Vous avez encore une CENI jusqu'aujourd'hui. Pourtant, la CENI, c'était une question transitoire. Comme on ne s'entend pas, comme il n'y a pas encore l'État, créons une CENI. Mais quand on va créer l'État, la CENI va disparaître et laisser l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Ça veut dire aux affaires des élections. Mais non, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons avec la CENI, nous connaissons avec la CENI, comme si c'était la voie sine qua non de sortie des crises. Et les gens, malheureusement, c'est ça le problème avec nous dans ce pays. Même ceux qui ont étudié, parfois quand ils réfléchissent, c'est comme les gens qui n'ont pas étudié. Ils sont tous dans le présent. Non, mais le ministre de l'Intérieur, il est de l'UDPS. Le ministre de l'Intérieur, il est du PPRD. Tant que vous aurez ces raisonnements, rien ne va changer. Tant que vous serez dans ces raisonnements, rien ne va changer. Parce qu'il n'y aura jamais un jour où le ministre de l'Intérieur appartiendra à nulle part. Ça n'existera pas. Encore que vous avez beaucoup de choses chez vous. Hein. Des sociétés civiles. On a des sociétés civiles tendance opposant. On a des tendances opposantes, pardon. On a des sociétés civiles tendance pro-pouvoir. Tendance neutre, mais avec un peu d'intincelle du pouvoir. Et c'est compliqué. Donc nous n'honorons pas la mémoire de nos aïeux, ceux qui sont tombés, ceux qui sont morts pour nous. Lumumba disait, le pain est le progrès. Le progrès, c'est le développement que vous avez. Or, le développement est un état d'esprit. Le développement, c'est la rupture d'une manière de faire, d'une manière de penser, d'une manière de croire. C'est ça le véritable développement. Le développement, ce n'est pas construire une route, non. Construire une route, c'est la conséquence d'une mentalité. Parce que tout commence par ici, dans la tête. C'est là que ça commence.
Vous concevez un plan de développement. Vous vous dites, voici ce que nous allons aller. Aujourd'hui, excusez-moi, si vous posez la question, même au Premier ministre, même au président de l'Assemblée nationale, même au président du Sénat, que deviendra le Congo en 2020, en 2040, ils ne savent pas. Ils vont vous dire ce qu'ils pensent. Ils vont vous dire ce qu'eux imaginent. Mais dans aucun secteur, on peut vous faire un projet de 10 ans. Dans aucun secteur. Demandez au ministre de l'Enseignement. Demandez-lui que deviendra le Congo dans 10 ans. Il n'en sait rien du tout. Donc, ça veut dire que nous vivons le présent. On n'a pas de projection. Nous n'avons pas de calcul pour regarder. Mais évidemment, comment vous allez avoir des calculs si toute votre vie, vous ne tournez qu'autour des politiques, autour des politiques et des politiques. Je fais à peu près 4 jours en Ouganda. Excusez-moi de vous le dire, je n'ai pas suivi une seule émission politique. Pas une seule. Toutes les émissions, là-bas, il y avait des émissions de développement. Ça veut dire comment on va faire pour la faune, comment on va faire pour la flore, comment on va réhabiliter les routes. C'était les débats comme ça. Et tu vois les gens dire, non, les routes, il faut boyer, le système est boyer. Et c'est comme ça. Je vais terminer par un truc avant de rentrer maintenant dans la famille. Il y a un premier ministre du Congo, je ne cite pas son nom parce que je ne vais pas les gêner. Il s'amène avec toute la délégation en Corée du Sud. Alors, il est là tout gentil, tout content. Vous voyez, les Congolais, ils font fanfaron. Viabetti forme bien, tout ça. Alati. Pourquoi il vient à la salle? La Vandi. Alors, les gens ont parlé, les gens ont parlé, les gens ont parlé, les gens ont parlé. Ah, notre violet avant la dernière. Ah, ça t'a gêné. Abi, non? Cher Coréen, je suis le premier ministre de la République démocratique du Congo. Un grand pays. Akoumissi, Congolais, Bino Moulingara. Et donc, on m'a cassé. Akoumissi. Parce que l'on a dit non, nous vous invitons d'ailleurs à venir exploiter nos mines, nos minerais, nos diamants, nos coltans. Ah, Tangi, Babiloko. Le Coréen, après avoir parlé, un Coréen lui dit, Monsieur le Premier ministre du Congo, ce que nous sommes, nous ne le sommes pas grâce aux minerais là-bas. Nous le sommes grâce à la technologie et à l'intelligence. Ça veut dire que nous envoyons nos enfants dans les meilleures universités du monde. Ils apprennent et ils viennent réinventer ça chez vous. Donc, si chez vous, les coltans, on n'en a plus besoin, nous pouvons inventer autre chose qui correspond à votre coltan et nous donner les résultats que nous voulons. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. À travers cette intelligence artificielle, nous avons sémé dans le désert et le désert a répondu. Nous avons sorti de l'eau là où il ne pouvait pas y avoir. Il y a eu de l'eau. Ça veut dire que nous pouvons offrir à nos enfants le meilleur que vous. Et aujourd'hui, le Premier ministre comprend que Dubaï est un désert. Mais Dubaï a de l'eau. Na 60e niveau. Maïzoubim. Bino, ah, regarde, ah, regarde, ah, regarde, ah, Maïzoubim. Pour moi, il pressionne les athées. 60 niveaux. Maïzoubim. Et puis, Maïa Moto, Naya Malili, sauf ces pays-là. Vous voyez comment les gens réfléchissent? Vous êtes encore en train de réfléchir dans vos histoires inutiles. Oh, mine, tout ça là qui est mine. Donc, vous avez coltan, vous avez coltan, vous avez mine. Et puis, c'est quand même, je ne comprends pas, c'est quand même bête. Vous avez le coltan, mais pour connaître la teneur de votre coltan, vous devez aller en Belgique. C'est là qu'on vous dit non, teneur, on vous a autant. Ici, chez vous-même, vous n'en avez pas. Paul, tu vois la distraction. Et les gens sont en train de se distraire pour rien. Concentrez-vous sur des choses importantes? Non. Concentrez-vous sur des choses sérieuses? Non. Bon, nous, on a une mentalité, ça dit il faut accuser et puis s'excuser. Ça dit quand ça ne va pas, il faut accuser quelqu'un. Et quand ça ne marche pas, il faut s'excuser. Dire aux gens que non, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Hein, c'est... Or, dans la vie, très rarement, on a les deux à la fois. Et je veux même dire impossible. Tu ne peux pas avoir et les raisons, disons, et les excuses et les résultats. Il faut choisir. Soit tu travailles pour les résultats, soit tu travailles pour les excuses. Mais tout ce que je sais, tous ceux qui ont travaillé pour les excuses ont échoué. Et tous ceux qui ont travaillé pour les excuses, nous, on est des léopards. Hein? La Corée, c'est un pays où on les appelait des lapins. C'était leur totem, bah, lapin. Donc, ils pouvaient être bouffés par tout le monde. Mais un jour, ces gens-là ont dit non. Pourquoi nous, on va continuer à nous appeler des lapins? On change. Ils s'appellent des tigres. Ils sont devenus des tigres. Et effectivement, ils sont devenus des tigres. Et quand ils sont au Congo, ils sont des tigres. Parce que dans notre sorte de fournil de Tobi, quand ils sont sur ma téléphone, au monde, Yabango. Qu'est-ce qui est de votre. Qu'est-ce que vous avez qui est chez eux là-bas?
Vous voyez, c'est ça, honorer les parents, honorer les aïeux. C'est travailler dur pour rendre les rêves possibles. Si vous lisez la lettre de Mobutu, qu'il écrivait à Niwa, Jean-Paul, je crois, si je ne me trompe pas. Mais quelle pertinence! Quelle profondeur! Tu dis, mais ce gars, bah, comme il dit, comme il a, toi, il m'aura commis. Mais lisez la lettre, toutes les lettres, toutes les correspondances, comme Mobutu parlait à Niwa. Vous sentez que c'est un homme qui parle à son fils et qui lui fait comprendre tous les dangers qu'il y a autour du pays. Regardez la lettre que Lumumba écrivait à ses enfants, écrivait à sa femme. Quelle pertinence! Mais ces lettres-là, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Lumumba disait qu'il fallait de l'équilibre pour tout le monde. Mais au Congo, aujourd'hui, on vous dit que 70% de toutes nos ressources nourrissent les institutions de la République. Ça veut dire que c'est pour des questions politiques. Et le 30% seulement qui reste, que l'on paye tout le monde et tous les projets de développement dans le 30%. Est-ce que vous imaginez? Donc, gars, excusez-moi de vous dire, quand j'entends les gens dire, pourquoi j'ai parfois envie de vous donner des claques. Mais bon, comme je ne peux pas vous donner des claques, je ne fais que compatir. Nous faisons tout pour ne pas évoluer. Nous sommes auteurs de notre propre malheur et responsables de notre propre destruction. Tant qu'on ne comprendra pas ça, rien ne va marcher. Et ça, vous pouvez donc me croire. Maintenant, parlons de la famille. Comment honorer ses parents? Comment on doit honorer ses parents? Comment nous devons les honorer? Vous savez, mes frères, nous serons tous des parents demain. Bon, moi, je le suis déjà. Il y en a parmi vous qui l'êtes aussi. Mais il y a d'autres qui le seront demain. Le seul plus grand plaisir, c'est d'être honoré par ses enfants. Et donc, vous qui êtes là, nous qui sommes ici, nous devons savoir honorer nos parents. Aujourd'hui, je voudrais parler de deux types de parents. Le parent méchant et les parents morts. Deux types de parents. Quand je dis des parents méchants, je vais englober ces parents-là et toutes les sortes de parents qui, en principe, hein, on va dire ça comme ça, ne méritent pas respect. D'accord? D'abord, je vais vous dire comment on vit avec eux et comment on fait pour les honorer quand même. Mesdames et messieurs, vous devez d'abord retenir une chose. Nous ne sommes pas le produit spirituel de nos parents. Vous comprenez un peu? Nous ne sommes pas le produit spirituel de nos parents. Nous sommes des produits charnels, génétiques de nos parents. Nous n'avons pas le même état d'esprit avec nos parents. Nous n'avons pas la même vision du monde avec nos parents et nous n'avons pas la même mission avec nos parents. Déjà, ça c'est la base. Quand tu comprends ça, c'est la base. Et ça, si tu comprends ces choses-là, le lien des familles, ça tombe. Parce que je voudrais que le lien des familles, c'est vous qui inventez les liens des familles. Il n'y a pas de lien des familles. Ça n'existe pas du tout. C'est des principes qui répondent à un raisonnement, qui répondent à une vision. Il n'y a pas de lien. C'est impossible, incroyable. Je le dis et je le dirai toujours devant quiconque. C'est impossible. Il est impossible qu'un homme arrête la destinée d'un autre homme sans la permission de cet autre homme-là. Ça veut dire que si mon père décide de me maudire, il faut que je l'accepte. Soit par ignorance, soit par peur. Si j'ai peur de ce qu'il dit, ça m'atteindra. Parce que même la Bible dit, ce que je crains, ce sont des principes naturels, beaucoup plus puissants que n'importe quoi. Ce que je banga okokufa. Ce que je banga kokozoazemi okozoazemi. Ce que je banga koto otombe malade okotombe malade. C'est un principe. Pourquoi? Parce que dans l'univers ne répond pas en termes de paroles. L'univers répond en termes d'énergie. La quantité de l'énergie que vous mettez dans quelque chose finit par engendrer ce qui vous fait peur. Ça ne vous est jamais arrivé de voir quelque chose qui n'a jamais existé, qui n'existe pas, mais vous le voyez quand même. Regardez ceux qui sont chez eux, tout seuls, à la maison. Quand vous avez peur de quelque chose, vous avez tendance à voir André Bilamba bouger. Parce que dans ta tête, il y a un homme qui vit là-bas.
Tu as conçu, en fait, la peur te conçoit un monde irréel, mais avec des enjeux réels. Parce que dans la vie, il faut annuler une pensée par une pensée. Attaquer une parole par une parole, une idéologie par une idéologie. Pas besoin de sortir les muscles, quand les muscles ne sont pas sortis. Donc quand tu m'attaques verbalement, je t'attaquerai verbalement. Ou à la limite, je vais utiliser juste ton énergie. Comme je ne peux pas t'insulter, mais je vais annuler tes propos. Immédiatement, à la minute où tu le dis, je les annule immédiatement. Là, ik et nunc. Ici et maintenant. Orbongate Navi, je me rappelle encore une fois, quelqu'un m'a dit, je ne dirai pas son statut, parce que ça risque de déranger. Orozasu diplomate. Nese nabi, tout rali bo sol baranana orozasu diplomate, nazo ki pete asolo. Mais tout rouyo na orozasu diplomate. So orozasu balon la komo nabite, balon la komo te. So ki nenga na zuite, na komo sambe la place en zambe. Yo komi nzambe nangai. Je te prierai. Et ce qui se passera après va être scandaleux. Je suis lauréat de mon école, deuxième de ma province. Et quand je passe, je lui ai dit, si je réponds même dans ma vie une seule fois, toi tu deviens Dieu de ma vie. Comme Dieu ne sait pas partager sa gloire avec quelqu'un. Et j'ai su mettre Dieu à l'évidence. Et ça a marché sur tout le coup. Depuis que j'ai commencé mes études, je n'ai jamais fait la deuxième session. Jamais. Depuis la première année de droit, Tindenge na Silici, na L1 à Kinshasa. Oui, j'ai fait la deuxième session, mais parce que je venais de loin, tu viens de l'Équateur, ça change un peu le contexte et tout. Mais après, j'ai eu ma vengeance. Je suis sorti de l'université avec une distinction. Il fallait le faire. Et c'était à chaque fois que je réussissais, on tombait malade de l'autre côté. C'était naturel. Tu ne peux pas t'asseoir sur le fauteuil de ma vie et me donner des ordres. Non, impossible. Je ne te l'accorde pas. Déjà que dans le véhicule de ma vie, tu n'entres pas sans passeport. Tu n'entres pas. Il faut avoir un passeport, il faut que je te l'accorde. Et aujourd'hui, on a ajouté encore le test Covid. Donc, tu n'entres pas dans ma vie sans test. Il faut passer par mon INRB. Il faut que je l'accepte, que je valide. Et c'est seulement pour 3 jours. Tu dois renouveler la confiance tous les jours de la vie qui passe. Et donc, c'est comme ça. Et ça a marché jusqu'aujourd'hui. Et mon père, parce qu'il voulait me changer la mentalité, il disait, Christian, un jour, un monsieur passait d'un village à un autre. Vous voyez, l'avantage d'avoir des pères qui ont vécu dans les villages, c'est bisso. Bino va prendre nom va kinoa au moni. Va dire que ma kimbante ke ngaba bisso de ma village. Alors mon père me dit, il y avait un monsieur qui venait d'un village, alors qu'il y a un village moussous. Maintenant, nous, dans nos villages là, les villages sont séparés par des cimetières, puis de grandes forêts et puis des cimetières. Alors il devait quitter un village pour un autre. Donc, il va traverser des cimetières. Alors avec son vélo, à Monica, comme vous comprenez, c'est mettre à bandit. Nakobangelo côté, Golo Azali, Nakobangelo côté. Plus il chante, plus la peur le domine. Plus il entend le son qui vient d'ailleurs. Et malheur pour lui, les oiseaux ont chanté. Le gars est tombé. Donc vous voyez qu'on peut citer le nom de Dieu tout en ayant peur en même temps. Donc la motivation qui vous pousse à prier, ce n'est pas la motivation de la foi, c'est la peur. Et vous avez les démons qui grandissent, qui deviennent de plus en plus grands, parce que votre peur vous guide à prier. Et c'est très dangereux. Il y a un peu de temps, on va aller à l'église. Il y a un peu de temps, on va aller à l'église. Il y a un peu de temps, on va aller à l'église. Il y a un peu de temps, on va aller à l'église. Il y a un peu de temps, on va aller à l'église. Il y a un peu de temps, on va aller à l'église. Mais comme c'est la voix de. C'est le nom de Dieu qui sort dans sa bouche, on va aller à l'église. Il y a un peu de temps, on va aller à l'église. Parce que quand tu pries, tu n'as pas peur. Tu es plutôt animé par la confiance. Voilà pourquoi Christ est étonné que ceux avec qui il partage la barque ont peur d'une vague. Il dit, mais comment faites-vous pour ne pas avoir la foi? Vous voyez, donc ça dit qu'il y a des gens, malgré leur, entre guillemets, foi apparente, c'est la peur. Parce que la foi, c'est quoi? C'est la peur et le doute. Et donc, il ne faut pas, dans votre tête, être focalisé sur une quelconque peur. Parce que quand vous avez ça dans la tête, je le disais, les liens de famille, ça tombe. Parce que vous n'êtes pas le produit spirituel de vos parents. Paul, tel que tu es là, tu n'es pas le produit de ton père spirituellement. Tu es le produit physique de ton père. Et il y a un adage en lingala qui dit, écoute bien, hein, « Babo Taramo Nakasi ».
ça veut dire que toi, tel que tu es là, tu es ce que Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi celui qui est sorti des entrailles de Marie a dit à Marie, « Mère, pourquoi tu me cherchais ? J'étais en train de faire le travail de... » Ah, ton père Joseph, Fazakunana menuisier. On s'est dit qu'on a donné un habité, un colo, colo. Donc c'est comme ça. Alors, tant que quand tu sais déjà que dans ta vie, ngana yaki, le ngana taboué, je suis venu dans ma famille, je ne jouerai pas le rôle de ma famille. Et je ne vivrai pas le sort de ma famille. Chacun va jouer son sort par rapport à son avenir. Beaucoup font à 40 ans. Oui, beaucoup font à 40 ans. Ngana beaucoup font à 40 ans. Bango baba la kate, oui, ba la kate. Il ne faut jamais dire to, ba la kate. Parce que quand tu dis to, ba la kate, tu te condamnes. Toi aussi, tu acceptes la même sentence. Pour quel mal au salaire? J'entends dans les certaines églises. Bakanga, comme on a bino, bakanga, la katakombe, na loubefou. Moi, je suis allé à loubefou, moi? Non. Je suis allé à katakombe? Non. Eh bien, il y a une kotakuna. Comment vous voulez me mettre dans un lien où on a la kuna, on a binoté? Tout commence par la tête. Si tu acceptes, ça va s'accomplir. Il te sera fait selon. Exact. Donc, quand tu crois en des bêtises pareilles, ça va t'atteindre. Oh, Younan, qu'est-ce que tu as fait dans tout le processus? Et de la conception? Qu'est-ce que tu as, quel est le rôle que tu as joué pour venir dévorer mon fils? Et puis, il a dit, hé, Paul, Non, c'est-à-dire que vous acceptez des choses vous-même. Et ça a tellement une puissance que quand vous croyez en ça, et c'est bon, ça marche. Mais là, les gens vont vous dire, non, ma famille n'a pas bien goûté. Bon, effectivement, ma famille n'a pas bien goûté. Moi, je parle de ma famille. Si tu es dans la même considération que moi, ça ne t'atteindra pas. Parce qu'on a vu des gens, oh, la famille n'a pas retourné au couvain à 40 ans, mais à Ticaliti, 70 ans, à l'arrière en vie. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas une question de prier, non. C'est une question d'abord de comprendre. Quand tu comprends que tu n'es pas comme eux, les choses changent aussi pour toi. Tu réfléchis autrement et tu n'es plus comme eux. Ils ont divorcé, c'est eux qui ont divorcé. Moi, je ne divorcerai pas. Oh, moni, ils ont lié à la famille, ils ont lié à la famille, ils ont lié à la binoté, ils ont mauvaise éducation, ils ont besoin, et continuent à bongo là, ils ont dit, là. Alors maintenant, comment tu vis avec un parent, des parents comme ça? C'est-à-dire que d'abord, premier élément, tu comprends que tu n'es pas comme eux. Tu es venu toi-même. Deuxième élément, tu sais que ton père ne te donnera pas tout. Tes parents, ils ne te donneront pas tout. C'est-à-dire que tout parent ne peut pas tout te donner. Ce n'est pas parce que le papa de Frédéric donne tout à Frédéric que le papa de Marc doit faire la même chose. Non. Le papa de Frédéric s'appelle par exemple Martin et le papa de l'autre là s'appelle par exemple Jean. Donc, c'est deux personnes différentes avec deux éducations différentes. La comparaison, elle est idiote et ça ne marche pas dans ces conditions-là. Donc, tu ne vas pas demander à ton père d'agir comme le père de Marc. Peut-être parce que toi, tu ne te comportes pas comme Marc aussi. Vous voyez? Alors, il faut déjà que tu comprennes ces choses-là. Quand tu as compris ces éléments-là, et la dernière chose que tu dois comprendre, c'est que tu as une vie particulière. Et cette vie te concerne toi, pas ton père, pas ta mère. Toi d'abord. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? C'est ce qui compte le plus. L'éducation que tu n'as pas eue à la maison, tu peux l'avoir dans la rue. L'éducation que tu n'as pas eue chez papa, tu peux l'avoir chez un oncle. Tu peux l'avoir ailleurs, tu peux l'avoir à la télévision, tu peux l'avoir à la radio. Moi, j'ai été éduqué par les femmes d'autrui, par les mamans des autres personnes. Et j'ai été éduqué comme ça. Je n'ai pas eu la chance, comme vous, avoir des papas, avoir un père et une mère trop amoureux de vous. Non, je n'ai pas eu ça. J'ai eu un amour bancal. L'amour bancal, ça veut dire l'amour d'un seul côté. J'ai eu un père qui m'a beaucoup aimé, mais je n'ai pas eu une mère qui m'a beaucoup aimé. Je n'ai pas trouvé ça. Et je ne m'en plains pas parce que même si je me plaignais aujourd'hui, ça ne va rien changer. Donc, qu'est-ce que je faisais? Quand j'ai compris que j'avais un vice, un vide, je suis allé chercher là où je pouvais trouver le réconfort. Et c'était chez les mamans des autres. Moi, j'ai été éduqué par les mamans de Batumoussous. J'ai appris qu'on aime les enfants par les mères et d'autres personnes. Je me rappelle une fois, je suis lauréat de mon école. Lauréat. Mais comme j'avais des conflits à la maison, on ne m'a même pas dit félicitations. Même pas félicitations. J'avais ma soeur qui, ma grande soeur Christophe Bossembe, c'est une merveilleuse femme pour moi. Elle a 2 ans de plus que moi seulement. Elle était toute malade, mais très malade alors. Elle, c'est vraiment une mère pour moi parce que c'est vraiment une mère pour moi. Et alors, elle me faisait face à beaucoup de choses. On l'accusait aussi qu'elle venait d'avorter, alors qu'elle était vierge. Hein. Alors, un traumatisme grave. Et je trouve qu'elle est malade.
Et quand je dis, je viens lui dire, dans un diplôme. Alors elle n'a pas assez d'énergie pour me prendre dans ses bras. Mais elle s'est quand même levée, elle m'a pris dans ses bras et on a pleuré un peu. Et elle m'a dit, il faut qu'on mette la poudre. Je dis, je ne saurais pas mettre la poudre. Pour quel honneur? Ma propre maison ne reconnaît pas ça. Donc ça ne sert absolument à rien. Mais je suis lauréat de mon école quand même. Alors j'ai toutes les raisons pour qu'on m'applaudisse. Je n'avais pas besoin d'argent, mais juste qu'on me dise félicitations, tout simplement. Mais ça, je ne l'avais pas. Il fallait l'acheter. Et donc je suis sorti, j'ai pris de l'eau, j'ai mis dans ma tête et puis je suis parti. Je suis parti voir les amis qui, eux aussi, avaient réussi. Alors, je vais tomber chez un ami. C'est bizarre. Hein? J'arrive chez cet ami-là. Il avait 50% juste. Juste. Il a dit, bakangi porte. Et là, il était très élancé que moi. Je viens l'accompagner et tout. Sa maman voulait mourir pour son fils. Moi, alors, c'est vrai, pour une fois, tu as envie qu'on fasse ça pour toi aussi. Tu dis, mais waouh. À cause de 50% seulement, moi je suis lauréat. On ne voit pas ça. Son fils très élancé, il dit, bonsoir, mais moi, Nangaï, Bakazia m'a sucré. Il y a Moulaï Naï. Alors, il y a Télémi, Bakazia, Bakazia, tiye, komia. Moi, je n'avais même pas un seul sucré. Hein. Sucré, un seul. Je n'en avais pas. Et puis l'ami me dit, non, mais est-ce qu'on ne peut pas boire, prendre les sucrés? Je lui dis, je ne saurais pas prendre. Je ne suis pas dans un état de prendre. Je peux faire tous mes efforts, mais équitaté. Donc, tout ce que je veux, c'est partager juste le moment avec toi. On a partagé le moment et sa maman avait compris finalement que j'étais blessé. Et elle m'a appelé. Mais où est la poudre de thé, Ningenin? T'habites dans la poudre de thé, tout ça. Elle a compris que j'étais faible et tout. Elle dit, mais il y a vu combien? Son fils dit, maman, lauréat, il y a Équateur, on a vu ça, lauréat, il y a province. Et là, il y a un garçon mouroboué. Donc on était deux lauréats. Exéco, même pourcentage. C'est cette maman-là qui m'a mis la poudre, qui m'a pris dans ses bras et qui m'a donné un peu d'amour qu'il avait donné à son enfant. Oh, tika la kiwana, allez. Et c'était bien pour moi. Je suis rentré à la maison. Et puis voilà, tu vois que tu es comme ça. Bon, et puis après, ça passe. Mais est-ce que tu t'en fais vraiment pour ça? Oui, quand on est jeune, on a besoin de cet appui. Quand on n'a pas, ça fait mal, ça brise, ça te détruit même. Mais quand tu sais où tu vas, tu te dis, je vais les rattraper plus tard. Et ça, on a pu le faire. Alors, comment vivre quand tu connais ces choses-là? Tu comprends tout de suite que tu n'as pas besoin de te tuer pour ça. Ça, tu comprends. Que tu n'as pas besoin de te tuer pour ce que tu manques. Mais tu peux avoir ce que tu n'as pas, comme toi-même tu le décides. Alors, quand tu as compris, comme j'ai dit, Paul, il me reste combien de minutes? Très bien. Quand tu comprends que toutes ces choses-là sont possibles, hein, et au Simba, pour Nayo, tu n'as plus besoin de suivre ton père ou ta mère. Tu construis ta vie toi-même. Parce que ne demandez pas à vos parents de vous aimer si eux n'ont pas été aimés. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Il y a des parents qui n'ont pas été éduqués. Ils ne sauront pas vous éduquer parce que où ils vont trouver l'éducation? Eux-mêmes n'ont pas été éduqués. Alors vous en voulez à vos parents parfois pour rien. Vous en voulez à vos parents parfois pour rien. Ces hommes et ces pauvres messieurs n'ont pas reçu d'éducation. J'ai rencontré un jeune qui me dit, « Papa Nabi Sopenati n'a rien à classe T. » Et le blaqué le côté. Naroki ma classe dans Zongi et le bébé côté n'a pas besoin. Ah mais son père qui est de classe. Alors j'hésitais de lui poser la question si son père avait étudié. J'hésitais vraiment. Et puis un jour, tellement qu'il en parlait beaucoup, je dis bon là tout là quand même. Papa nous attend. Oh t'es attendaté. Mais bien alors, il comprend rien de l'école. Il comprend rien. C'est-à-dire ne demandez. Parfois vous demandez l'amour à ceux qui n'en ont pas. Et vous allez récolter la douleur pour rien parce que quand on n'a pas d'amour, on ne sait pas donner de l'amour. Quand on n'a pas été éduqué, on ne sait pas non plus éduquer. Quand on n'a pas appris à, quand on n'a pas été protégé, on ne sait pas protéger. Les hommes et femmes qui n'ont pas été protégés dans leur vie ont tendance à ne pas protéger. Au milieu, maman n'a pas ça pour une nénine. Une maman qui me demande d'aller faire la prostitution, une maman qui me demande, yo jeune fille qui a beau, t'as de l'autre côté, on a le bâtard ça Moussa là. Mais deux copains, trois copains. Quand même. Voyez un peu. Donc tu comprends que ta maman, là, l'éducation qu'elle a reçue, donc nous, notre problème au Congo, ce n'est vraiment pas la pauvreté, c'est plutôt l'ignorance, en fait. La culture de l'ignorance. Le fait de manquer le savoir pousse beaucoup de gens à tomber dans ces choses-là. Donc, un enfant... Quand tu grandis dans une famille où l'éducation est, je veux dire, est en faillite, où l'éducation est en manque, ce que tu dois faire, c'est chercher l'éducation à l'extérieur.
Il faut aller les chercher en te créant des repères, en te créant des modèles, en les cherchant. En venant à l'école de la sagesse, par exemple, ou aller dans tout le milieu où on parle de connaissances, où on partage ses connaissances, où on forge le caractère. Moi, je me rappelle, je le dis toujours, s'il y avait des écoles de la sagesse comme ça, quand j'avais 15 ans, 14 ans, ou même 17 ans, il y a beaucoup de choses que je n'allais pas faire. Il y a beaucoup d'erreurs que je n'allais pas commettre. Beaucoup de bêtises, je n'allais pas le commettre. Parce que parfois, on le faisait des choses parce qu'on ne connaissait pas. On le faisait juste parce qu'il n'y avait que ça en ce moment-là. Mais quand on a grandi et qu'on a mûri, on a compris des choses, mais on ne peut plus faire marche arrière. Vous voyez, c'est des choses aux yeux déjà. C'est comme un boxeur. Au sali entraînement, ma casse, mais ma cour, on a passé Tikali. Ma cao, on a passé Tikali. Donc maintenant, c'est le futur. Mais vous, si vous n'êtes pas encore tombé, si vous n'avez pas encore ça, c'est l'occasion de le faire. Honorer ses parents, c'est aussi vivre la vie différemment d'eux, mais en bien maintenant. Faire plus que papa et maman, quoi. Faire plus que. Je vis des jeunes gens apprendre, vouloir apprendre, aimer apprendre. Et quand ils sont à l'université, ils le disaient. Ils disaient, mais Christian a une erreur parce que papa t'a gâté. Donc je ne peux pas commettre une erreur. Et tu vois que ta vie commence à changer. Mais tu ne peux pas vivre comme tes parents. Surtout s'ils n'ont pas été des modèles. Tu ne peux pas vivre comme eux. Moi, je me pose toujours la question, comment on fait pour commettre les mêmes erreurs que nos parents? Comment on fait? Comment faisons-nous pour commettre les mêmes erreurs que nos parents? La réponse est simple. Nous prenons le même chemin que nos parents. Toi, tu es là. Tu sais que la polygamie a détruit ton père. Tu le sais. Tu sais que la polygamie a détruit ton père. Tu sais que l'ivrognerie a détruit ton père. Tu sais que l'alcool est bomi par Panabino. Makaya est bomi. Oyebiang, l'Oenge est bomi. Mais tu suis la même voie. Tu es en train pratiquement de faire la même chose. C'est ça les liens, en fait. Bah, lien familial, voilà. Et tu n'as pas besoin de briser ça par la prière. Tu as juste besoin de comprendre que papa est comme ça, comme ça. Pourquoi? J'ai rencontré une jeune dame qui a eu sa mère, malheureusement pour elle. Maman a raboté 7 mibales. 7 bannes. Non, non, 9 bannes. Parce que Mbali Moro, quand même, a raboté qui n'a eu 2. Donc, il y a un 8e. Mais aujourd'hui, la pauvre dame a 3 enfants avec 3 maris différents. Et quand on parlait, il dit, mon Mbali, il faut que on a vu maman. Oui, Mbali, il faut que tu. C'est que tu n'as pas reçu l'éducation qu'il fallait. Tu as vu ta mère faire et tu as fait aussi. Même la Bible le reconnaît. Un enfant ne fait que ce qu'il va faire au père. Ce que le père fait, l'enfant le fait aussi. Nos enfants font exactement ce que nous faisons. Si nous crions, nos enfants crient aussi. Si nous sommes waï, nos enfants sont aussi waï. C'est comme ça. Donc nous sommes en réalité les véritables, je veux dire, le véritable témoin ou témoignage, exemple de nos enfants. S'il n'y a pas d'exemplarité, il n'y en aura pas. Vos enfants ne produiront jamais quelque chose en dehors de vous. Sauf si ces enfants rencontrent un message comme celui-ci pour dire à vos enfants que vous n'êtes pas vos parents. C'est ainsi que je vais vous dire à chacun d'entre vous ici, vous n'êtes pas vos parents. Si vos parents ont échoué dans la vie, c'est eux qui ont échoué. Ce n'est pas vous qui avez échoué. Vos destins ne sont pas les mêmes. Et vos missions ne sont pas non plus les mêmes. Papa a eu sa mission. Toi, tu as eu ta mission. Le jour où ton père décède, ce n'est pas toi qui décède, c'est lui qui décède. Avec ses rêves, avec ses ambitions. Toi, tes rêves et tes ambitions restent intacts. Mais c'est à toi de décider. Tu les enterres avec ton père ou tu continues avec. Si tu les enterres avec ton père, c'est toi, c'est un choix que tu as fait. Et tu vivras toujours dans ta vie, dans le passé, en train de regretter. Moi, je dis toujours aux gens, arrêtez d'accuser Dieu. Arrêtez d'accuser la nature. Vous êtes responsable de vos choix. Nous sommes responsables de nos choix. Alors, comment honorer des parents comme ça? C'est en étant exactement le contraire de ce qu'eux sont. En les aimant davantage. Et en, surtout, un élément important, en compatissant pour eux. Parce que quand vous avez compris dans quelle emprise ils étaient, et vous avez pitié d'eux maintenant. Vous dites, mon père n'a pas été éduqué. Voilà pourquoi il ne comprend pas certaines choses. Je vous dis, je vais vous dire un truc encore. Peut-être que ça va encore vous révolter. Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me parlent de leur vie. Et parfois même de leur intimité. C'est une grâce que Dieu m'a faite et j'en suis reconnaissant. Un ami était en train de faire le troisième cycle. Il faisait le troisième cycle. Il faisait la philosophie. Vous voyez, ceux qui font la philosophie ont un raisonnement carré. Ils ont le raisonnement du pourquoi. Et du comment.
Alors, son père n'a pas beaucoup étudié. Et son père voulait l'imposer une autre vie que lui ne comprenait pas. Il a fait comprendre à papa, na lingala, na français, na mounonga mboka, pour pas comprendre gâte. Alors un jour, il dit à son père, papa, trop c'est trop, de toutes les façons. Le langage qu'il avait dit, regarde que, de toutes les façons, rôle na yo, au sala déjà. D'accord? Au tikali, tikali a évolué. Nandenge nangai. Sur le simbité, problème a été yo, sala déjà ou yo. Le père a trouvé ça comme une insulte et comme un manquement de respect grave. Il a même assimilé ça à l'ingratitude. Il dit, mon fils, tu m'as... On a ingrat. Son père est fâché. Il est rentré au village. Parce qu'il n'y a pas de monde. À Zongi village et pas Panabango. Le gars est allé aux États-Unis et il a fait 5 ans ou 6 ans ou 7, quelque chose de 7 ans ou 8 ans comme ça. Il ne parle pas avec son père. Papa Kangele Kanda, son papa, il appelle son père. Rien. Il envoie l'argent. Rien. Mon papa n'a vu son bouc. Baby, le respect de la parole. C'est-à-dire, eux, quand ils ont dit non, ben c'est vraiment non. Quel que soit le cas, il faut ça par rituel, mon roboé, pas le mot là, non, Anna. Et là, Moutou n'aïe gaga. Maman, Baby, on a tout, c'est dans sa tête, en fait. Ce n'est pas dans la tête des gens, c'est dans sa tête. Le gars a parlé, il a parlé, il a parlé. Et un jour, il a suivi mon émission, il m'a appelé. Bon, finalement, il est venu à Kin, on s'est rencontré. Et chaque fois qu'il vient à Kin, alors quoi, j'ai un beau gâté parce qu'il n'a pas le moment à l'ingraté. Je lui dis, c'est que tu vas faire. Tu vas aller au village. Tu vas commencer par ramper par la porte d'entrée. Jusque là où il va se mettre dans sa chaise là, à genoux. Et toi, et tes diplômes, et tes connaissances, et tes Socrate, et tes Machiavel, tout. Ngulouma. Non, Machiavel là-haut. Puis placé à Zali, c'est papa. Machiavel, Thalès, ban de l'autre côté de Vaio. Ngana ega kakusenga au pardon. Il dit non, mais tu vois, à genoux. C'est Nabi, à genoux, bah, c'est wana. C'est aux États-Unis, là-bas. Ici, à genoux et Zali. Fukama va le voir. Ah, je vais essayer d'abord de le faire. Je dis non, tu vois qu'on est intellectuel et qu'on a étudié certaines pratiques, on ne comprend pas. Et il voulait me faire genre, t'es au bout de ta ah, au colis, ah, ouais, t'es comme un genre, voilà. Genre, voilà, surtout à ton université. Ici, t'es l'enfant de ton père. Le gars a fait ce que je lui ai demandé. Il est allé à genoux jusque devant son père. Son père l'a pris dans les bras et elle a pleuré pendant presque toute la nuit. Il pleurait. Il dit, il n'avait pas retrouvé son fils. Il fallait le retrouver quand même. Pourquoi? Tout ce que son père voulait, c'était cette humilité-là. Pour la papa, la humilité de Yangoana, à Fukami. Pourtant, avec vous, on avait une maïma. On a vraiment un diplôme, on a fait papa Penza, maman, ça là. Mais papa, mon ami, on a un geste au moins à Sali. Il est venu. Il n'a même pas eu besoin de dire pardon. Il n'a même pas fait, selon lui, il n'a même pas fait 3 pas. À Fukami, il n'a pas. Qu'au Fukami, il n'a pas fait papa Bia et qu'au qui déjà. Moi, on a télémi. Tout le monde, tout le monde, moi, on a les liwana, on a. Et la relation est allée normale. Qui a gagné et qui a perdu? Le gars a gagné tout ce qu'il voulait gagner après. Parce qu'il a eu la bénédiction de son père. C'est parce qu'il a acheté des maisons où il a été béni comment, mais en principe, le lien qui était coupé est zongi na place nango. Est-ce qu'il a été détruit dans sa vie? Pas du tout. C'est comme ça qu'on vit avec des gens qui ne vous comprennent pas, surtout les parents. Moi, je le dis toujours, peu importe la méchanceté de ton père, ça reste ton père. Peu importe la méchanceté de ta mère, ça reste ta mère. Et la bonne façon de l'honorer, c'est de vivre différemment d'elle. Une maman qui était impolie, incivile, qui te battait son mari et qui était celle qui t'insultait, tu n'as pas besoin de vivre comme elle. Tu as besoin de vivre le contraire. Il faut qu'à un moment donné, qu'on pose la question. On a quand maman là, ce que tu as fait, c'est que tu as fait un gars. Ah, beaucoup qualité. Il a bu. C'est comme ça qu'on vit avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Nous devons vivre mieux qu'eux. Ton père est un brigand, il est un voleur, il est infidèle, il est quelqu'un de tout ça, du contraire, il est contraire. Alors vis le contraire toi maintenant. Fais en sorte que tu sois différent de lui. Ta mère a eu des enfants avec beaucoup d'hommes, ben, tu ne connais pas comment elle a vécu sa vie. Toi vis bien ta vie. Toute ta famille divorce, bon toi fais un effort de ne pas divorcer. Pour ne pas divorcer, il n'y a pas une magie à faire. Il faut juste faire le bon choix et savoir s'oublier un peu. Donner la place à l'autre. Point par. Bayoum va divorcer raté. Rare. Bayoum. Et comment Youm va divorcer? Youm va divorcer raté. Parce que Youm a tel à buté. Youm a tel à victoire collective. A tel à but particulier. Bah toi divorcer à Bayanke. Bah prêtre. Bah maître. Bah on va divorcer. Parce que bon, on va moi. Qui va pousser moi, on est dans mon mingi. On va pousser je. Et dans moi trop. Na liba, la soukis je et bandi. Liba de koufak. Liban est en nous, na jeté. Et en on, na moi.
Donc dans la vie, c'est comme ça aussi. Fais la différence avec ton père. Ton père était licencié, deviens docteur. Ouais. Ton père a fait quoi? Fais plus que lui. En bien, bien sûr. C'est pas parce que ton père a mis 10 enfants, il vaut à 17. Comme je rencontrais un monsieur au village là-bas où je suis allé, na Itou, na Otouele. Il dit, Boza Boni. Abi, Bisso. Abi, Bino. Boza Boni. Abi, ah. Toi, Ali. Non, non, d'accord. Hein. Ici, c'est bon. Hein. Ça va. Eh? Hein? Eh? Ah, on continue. Passez à Kangi. À Kangi. Oh, on se calme. Non, tout le monde a battu. Battu. Abi, oui, oui, oui. Oui. Bah, 37. Mais moi 37, toi 37, toi tu es la 27, 10 ma couffre, on est la guerre, hein? 10 ma couffre la guerre, tu es la 27. 27, tu es la bonne combien? Nga? T'es nga na bota mingi, t'es ben 16. Tu dis, c'est gajou, hein? 16. Et finalement, même si que bon, ça, circonscription électorale, il y a bien un mot que tu ouais. Donc ce n'est pas dans ce sens-là que tu dois mettre au monde, non. Mais essaie de vivre une vie. Qui ne reflète pas la vie de tes parents s'ils étaient mauvais. D'accord? Mais si tu veux honorer tes parents qui étaient bien, fais mieux qu'eux. Je ne comprends pas les enfants de professeurs. Vous le dites très souvent, non? Bah, bah, pasteur, bara, loingé, loingé. Vous dites ça souvent, hein? Bah, bah, pasteur, bah, loingé, loingé. Et les esprits faibles disent, bah, bénémo, bah, démo, bah, bah, dans l'église, et donc, là-bas, là-bas. Ça n'a rien à voir. Mais ils accordent plus de temps à l'église qu'à leurs enfants, qu'à leur famille, et leur famille se détruit. C'est détruit généralement au profit de l'église d'abord. Mais quand ils vont aller demain au jour du jugement, Dieu ne posera pas la question de savoir Babrebi Nangai. Boni, il ne posera pas cette question-là d'abord. Il posera la question ta famille à toi, comment? Et ça, les maquis. Et tu ne diras pas Dieu, mais c'est un sacrifice de famille Nanga pour la boucle de Babrebi Nanga. Quand la robe s'habille, Nanga, n'est-ce pas pour la bango? Nanga, n'est-ce pas pour la bango? Yo, n'est-ce pas pour la bango? Donc, un pasteur qui sacrifie sa maison pour l'église, il est malade. J'ai entendu même pasteur dire "Nakou fa pona biboule nanga oh. Kolo ata kou fa pona biboule wana. Yo kou fa pona biboule. So yo kou fa pona biboule. C'est comme le berger qui meurt pour les brebis. Mais les brebis vont aller partout dans tous les sens et il a raté sa mission. Vous avez compris? Donc, on va garder pour les parents décédés le dimanche prochain pour terminer avec ce sujet, mais il faut retenir tout simplement que l'éducation vous devez l'avoir partout. Là où ça se dit bien, bien sûr. Apprenez partout. Papa, il y a un conseil, yoka. Il y a un mot qui a un conseil, yoka. Il faut tout le temps que ma toi imilaï, yoka ka moi mingi, ma kambouya, ma longa. Parce que tes oreilles ne sont pas des poubelles. Ne sont pas une poubelle pour entendre des bêtises. Mais tu dois entendre ce qui est bien, ce qui est constructif. Alors, je termine avec cet exercice qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui peut toujours vous aider. Si vous voulez impacter votre vie, changez ce que vous regardez et changez ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Ça veut dire, arrêtez de suivre les bêtises à la télévision. Passez moins de temps dans les théâtres, des théâtres d'abrutissement, des théâtres qui vous abrutissent. Passez plus de temps dans des théâtres ou des films qui construisent votre âme, qui construisent votre intellect. Même dans les musiques, dans les chansons que vous suivez, trouvez des chansons qui vous édifient. Je ne parle pas ici des chansons chrétiennes. Parce que dans les chansons chrétiennes, il y a beaucoup de chansons profanes. Elles sont chrétiennes, mais elles sont profanes. Elles profanent. Il n'y a que le nom de Christ, mais il n'y a pas le contenu de Christ dedans. Suivez toutes les chansons qui vous édifient. C'est vrai, vous pouvez choisir à un moment donné des chansons qui peuvent vous faire danser. C'est bon, il faut parfois aussi danser. Mais moi, parfois, ça m'arrive de mettre une chanson, Nabina. Et c'est normal, c'est dans la vie, on vit, on est en train de vivre. Bon, un peu de plaisir, c'est bon. Mais il ne faut pas que le plaisir dépasse ta concentration, que le plaisir dépasse ta détermination d'aller de l'avant. Dans la vie, vous devez faire le choix. Soit vous jouez avant et vous travaillez après, ou vous travaillez avant pour jouer après. Je vous propose de travailler avant pour jouer après. Donc suivez
ce qui est nécessaire. Cette semaine, si vous le faites, vous allez comprendre que ça va être merveilleux. Moi, j'ai pris une décision. Aujourd'hui, je suis dans mon deuxième mois et je le fais très souvent quand je veux. C'est ce que j'appelle des semaines d'entraînement. Ça va faire 2 mois que je ne touche pas au sucre, même pas un peu. Goûte à ta graine, moi, à sucre. Non, si m'batté. Je n'ai pas un problème de sucre, pas du tout. Je suis très parfait. Côté Wana, je ne prends pas trop du sel. Ce sont des disciplines personnelles. Parce que de toutes les façons, quand tu es un homme et que tu commences à avoir 25 ans, 26 ans, plus tu évolues, tu dois baisser le taux du sucre dans ta vie. Tu dois baisser. Parce que ça ne t'apporte absolument rien du tout. Le lait aussi ne t'apporte pas grand-chose. Parce que tu vois, on a un gombété. Pour me le ramener, l'angombe le roi du cambo. Sinon, tu es là, l'angombe, bamboire, bamela. Toi, tu es déjà un homme. Prends des choses normales. Enfin, je ne veux pas dire normales, mais prends des choses. Le lait, je vais prendre une fois la semaine. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fais. Une fois la semaine et c'est bon. Si j'en ai besoin d'ailleurs, si j'en ai pas, j'en ai pas. Donc, je suis en train de dire, c'est la concentration. Faites-le, vous allez voir. J'ai décidé de ne pas suivre les théâtres idiots. Hein. Le théâtre, je fais, ça va faire une année ou 2 ans que je ne suis pas ça. Et je ne le suivrai pas. Parce que quand je vais suivre, je vais me poser la question, qu'est-ce que ça va ajouter en moi? Si ça n'ajoute en rien en moi, ça veut dire que ça va prendre l'espace dans mon cerveau pour rien. Alors que mon cerveau a besoin d'espace pour stocker certaines choses. Donc faites-le, vous allez voir la chose. Vous allez voir comment c'est beau et comment c'est bien de tenir. Les prédications inutiles, ne le suivez pas. Les endroits inutiles, ne les fréquentez pas. Les propos inutiles, ne les dites pas ça. Concentrez-vous. Faites une sélection. Merci, madame. Vous allez aimer, vous allez voir, vous allez être parfait. Faites un peu du sport si c'est possible. Faites le chant si possible. Qui ont des espaces chez eux à la maison? Qui vivent chez eux? Très bien. Est-ce que tu as un potager? Vous avez un locataire? Vous avez un espace à Moukier ou à Bilanga? Si tu le fais, tu me donneras raison. Je donne juste un élément, une astuce, mon Moukier. Même pour vous tous, si vous vivez avec vos locataires. Qui vivent chez le locataire? Qui sont locataires? D'abord, je prie que Dieu vous donne la possibilité de devenir des propriétaires. Hein? Ça va aller. Mais en attendant, discutez avec vos bailleurs. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Allez au marché. Acheter les baya. Au sur ma baya, attendez à 2 mètres. Hein? 2 mètres, 4, un truc pareil. Hein? Tu le fais. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes des treillis au tché, ou tu as 3 niveaux, ou 2 ou 3 niveaux. Ça dépend. Ou tu peux aller sur Internet, on dit comment faire un poulailler dans la maison. Tu mets des poules. Ma pondeuse, je vais quand même ceux qui 7000 francs, 9000 francs. Il y en a même qui vendent, ceux qui vendent 2000, un truc du genre. Son bac à 2, il y a Bassi. Il y a mort quoi, Moubal. Mon frère, ça commence à te pondre des œufs chez toi à la maison. D'abord, tu règles la question à Nzala. Non, yo moro personnellement, tu n'auras plus besoin d'aller quémander à manger. Tu as réglé le problème, ça c'est des 1. De 2, tu peux vendre les œufs. Et ce qui est bien, c'est que dans ton avenir, on te connaît. Et tous ceux qui vont acheter les œufs à gauche et à droite peuvent venir acheter les œufs chez toi. C'est comme ça qu'on crée sa petite entreprise. Pas besoin d'être grand, non. Petite entreprise, non. On te kaka 10 maki. Plateau moroka ya maki, no te kaka. On a fournisseur dans moko. Après 2, après 3, après 4. Et puis ça va comme ça. C'est important de le faire. Ceux qui ont des maisons, pour ça la bilingue. 2 plantes-bandes, 3 plantes-bandes, plate-bande. Yangwa. Faites-le. Moi, je suis éleveur. Paul sait. Je touche le sang. Donc, à la sonité. Sur le jour où les gens vont me voir avec une voiture, il y a cher, ils vont aller raconter des bêtises. Politique et PC Mbongo. Ça veut dire que moi, quand je peux même dormir, mais il y a 6, 7 bannes, 9 bannes. Ce côté que moi, on a 200, 300, 400, 500. Est-ce que les mots, on a tout? Ce que je veux dire, c'est que je suis au liaté. Tant que je suis au Un jour, je suis avec Christelle en Dotamboula. Un policier nous demande viens, non, mais la maïté, à ton bac, il a malchance. Dans ce moment, 2 bidons à maï. Et ma lit. Oh, attends, ma maïté, c'est le maï. Oh, terre, oh, on y met un nain. Il y a une personne maï, la personne, oh, il y a hôte, il y a au cas où, mais au cas où, Kindoki. Mais fais-moi, mais au cas où.
Maï, toujours Maï. On comprend bien, il a dit, on comprend bien, maman, les gens, on comprend à côté. Et les gens, donne-moi de l'eau sèche, les Arabes. Toi, tu as vu de l'eau sèche. On peut s'en mettre au cas où, quand on a français. De l'eau sèche. Même les Français disent, mais ce type est malade. Oh, mais il y a un cas où, en fait, parce que, bon, le mot là, étape, il y a mendicité. Il y a un bisenga senga. Ce qu'on a une unité de production, na yomoko. Et ça, c'est important. Si tu es jeune, au milieu de la quartier, tu es bien à Bayer. Papa Bayer, bonjour. Parce qu'on a un projet. Boni, on a bien, Ok. Le Bozongi, papa Bayer, on a bien. Le Bozongi, combien de temps il y a une parcelle? Initiative. Avant, on a préparé les COP. Jour mon gars, papa Bayer, on a une place qui peut bien être. Est-ce que nous sommes qui PlayStation, mon coin? Est-ce que nous avons un petit peu de takata comme ça, en contrepartie? Voilà comme la quota Lupang. Et c'est comme ça qu'on accepte le jeu. Sans ma PlayStation, un ou deux ou trois, je ne sais pas. Avec un peu d'argent. Moi, TV, non, moi, je suis en petit gars, Patrick, je suis en train de Patrick, je suis en train de faire des choses. Moi, 10 francs, moi, 20 francs. Oh là, l'île, on a renflé. Au bout de la fin de la journée, moi, 15 000 euros. Alors, dis-moi, est-ce que c'est comme 15 000, 20 000 euros, on va être prêtre. On va être prêtre. Pour nous retourner, il y a l'église, on va être prêtre. Mais il y a un prêtre lobby. C'est comme ça. Quand on a l'argent, quand on a la possibilité de s'acheter des choses, le taux de flatterie baisse aussi en même temps. Parce que tu ne trouves plus d'intérêt. C'est comme les femmes qui se débrouillent, n'ont plus de raison de baisser leur culotte à tout moment. Parce qu'elles se débrouillent. Elles savent que si j'ai besoin d'un téléphone, je peux l'acheter moi-même. Donc elle ne va pas aller, c'est elle ne va pas aller comme Tandaloa Namotalaka pour un téléphone. Que Dieu vous bénisse tous. Ça héréditaire la famille moko rien que par la compréhension non un lien qui est héréditaire c'est vrai ici opposé sur le principe moko mutuya que tobo tamaka et pas batata na biso tobo tamaka na quoi on dit il faut approcher pour les, pour la caméra. Comme on a qu'une seule caméra c'est triste tobo tamaka et pas batata na biso par la chair, non par l'esprit. Par l'esprit, nous venons de Dieu. Hmm. Alors, mais chair aux yeux et pas babote. Ils appellent ma kamou na yango. Comment faire pour se débarrasser na yango? Parce que tout à l'heure, il dit que le lien se katanaka rien que par la compréhension et non par la prière. Il faut croire d'abord que vous n'êtes pas comme eux. Okay. Quand déjà tu crois que tu n'es pas comme eux, c'est déjà un élément important. Tu es de ta famille, mais tu n'as pas la même destinée. Vous en sort mon côté. Vous avez vous allez ba mbuma mais vous en dingue mon côté. Tout va bosser mais vous en dingue mon côté. Tu vois un peu, nous avons le sort n'est pas le même. Je ne subirai pas votre sort. Et pour que je ne subisse pas votre sort, je veux ne pas faire ce que vous faites tous les jours. Il faut botalaka les comportements communs à famille nabino. Comment vous agissez vous tous devant des problèmes? Si tu comprends ça, tu n'es plus comme eux. Il faut interroger ce qui vous lie. Ce qui vous unit. Bah, du coup, bah, bio, famille, bah, ça, quand même, on s'arrête, famille, on a. Sauf, bah, nos silicones, au binot, tout beauté, le matin. Tu vois un peu. C'est-à-dire, on vous identifie par rapport à un comportement. Alors, toi, tu n'as pas très comme eux. Il faut qu'on arrive à le baquet. Famille, on a, bah, tout va silicone, mais moi, n'en a, bah, mon quoi, c'est la kawana, moutoundé, yoana. C'est ça. Tu vois, tu n'es plus lié dans ces choses-là. Il faut interroger ce qui vous unit, ce qui vous lie le plus souvent. C'est généralement les caractères, la manière de résoudre le problème. La compréhension du problème. Du moment où tu n'es plus dans ces choses-là, ce n'est plus toi. Tu n'es plus comme eux. Okay. Et puis après, ta vie de prière doit être une vie de prière. Paul, il faut conserver 80% de ta prière à l'adoration. Okay. À l'adoration et à la louange. 80%. Le 20% sont des choses pour demander. Parce qu'en réalité, tout ce que nous demandons à Dieu, il l'a déjà donné. Appelle ça déjà. Et puis, il va m'attabiller ici. Donc, tous ceux qui passent leur temps à demander Dieu, ils ne comprennent rien. Dieu vous dit, cherchez d'abord le royaume. Un enfant de Dieu ne va même pas demander, il ne peut pas demander ça. Ça vient de soi.
quand lui poursuit un autre objectif, il comprend que le royaume de Dieu, c'est une mentalité, c'est une façon de voir les choses, une façon de comprendre les choses, une façon de ne pas s'attacher au matériel. Parce que mettre au monde, c'est le matériel. Ben c'est ça. Personne n'ira au ciel parce qu'il a mis au monde. Non. Mettre au monde, c'est terrestre. C'est charnel. Ce sont des histoires de la terre. C'est tout de la terre et de la terre. Maintenant, la mentalité céleste, c'est la mentalité du détachement avec le matériel. Donc, quand tu as compris ces choses, que tu crois en Dieu, même lorsque Dieu te dit tu seras le père de la multitude, Abraham n'a pas mis 10 000 enfants au monde. Mais c'est lui le père de la multitude. Mais il n'a pas mis 1 000 enfants au monde. Ça veut dire l'esprit de Dieu va au-delà de ce que nous voyons. Alors, quand je crois en Dieu, j'ai la mentalité céleste, je ne prie plus pour avoir une voiture. Je sais que la voiture viendra à travers le travail que je ferai et Dieu me bénira. Si ça plaît à Dieu de me bénir. Parce qu'il y a des gens que Dieu n'a pas prévu. Parce que Dieu ne te voit pas dans ça. Il faut atteindre un niveau quand tu pries, tu dis à Dieu, que c'est pourquoi on dit que ta volonté. Pourtant on le dit tous les jours, hein. Que ta volonté soit faite. Mais la volonté de Dieu, si la volonté de Dieu, c'est que tu ne mettes pas au monde. Oh, et comment t'es? Ah oui, et comment t'es? Et comment? C'est pas possible. Et comment t'es? Chacun de nous a la vie que Dieu veut qu'il ait. Et aucune prière ne peut changer ça. Même lorsqu'une prière change, c'est que c'était Dieu qui avait prévu que ça va changer. C'est lui-même qui voit. Donc ça dit qu'il y a eu un homme, Paul. Ben voilà, il y a eu même Paul dans la Bible. Paul, tu sais qu'il y a eu Paul dans la Bible qui avait un problème. Bien évidemment, il a prié comme pas permis. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc Paul, arrête de regarder là-bas. Moi, je ne te vois pas comme quelqu'un qui a ça. Moi, je te vois comme quelqu'un qui va accomplir pour moi des choses. Et donc, toi, sers-moi. Moïse dit à Dieu, je n'ai pas la bouche pour parler. Non, ça n'est ni, non, malobaté. Dieu dit, moi, je ne te vois pas comme un bègue. Moi, je te vois comme un canal de transmission de mon message. Limite-toi là. Ton axe d'adoration, c'est là. Et il s'est arrêté là. Il n'a pas eu de problème. Le jour où Moïse a voulu faire sa volonté. Tu as vu ce qui s'est passé? C'est comme ça. Chaque fois que nous voulons faire notre volonté, Dieu vous laisse faire votre volonté. Parfois, quand vous demandez à Dieu, est-ce que vous demandez à Dieu dans son plan à lui? Mais Dieu dans sa vie, dans son plan, on a papa m'a pas saté. Dans son plan, on a papa yabana, on a m'a pas saté. Donc au monde de là, au salaba jeûne et prière. C'est pourquoi pour ne pas vous tuer dans les prières longues et inutiles, cherchez à savoir la volonté de Dieu dans votre vie. Point barre. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Et quand tu dis la volonté soit faite dans la vie, Dieu te donne d'abord une mentalité de tranquillité. C'est-à-dire que tu n'es pas poussé par les choses de la terre. Tu as la mentalité céleste, la mentalité du contentement. Je me contente de ce que j'ai, mais je ne me résigne pas. Je me contente de ce que j'ai, je continue à travailler parce que Dieu veut que je travaille. Et si je l'ai, j'ai. Si je n'ai pas, je n'ai pas. 80% de ta vie doit passer dans l'adoration et dans la louange. C'est là la question, c'est maître. C'est quoi l'adoration? La véritable adoration, c'est la reconnaissance de l'amour de Dieu dans ta vie. Okay. Reconnaître que Dieu est bon dans ta vie. C'est déjà adorer. C'est même ça, adorer. Parce que même quand tu as mal, tu reconnais que Dieu est grand. Parce qu'en toutes circonstances, il faut reconnaître sa puissance dans ta vie. C'est ça la véritable adoration. Ce n'est pas les mots que vous dites là. Parce que l'heure viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en vérité. J'ai vu que tu dis ça. En esprit et en vérité. Moi, ce que j'aime, c'est ce qui vient après. En vérité. Parce que yo, le goûteur beaucoup dit. Yo, tu es choco. Le choco, c'est un mensonge, tu sais. Choco, en zo. C'est un mensonge. Pourquoi aussi? Comment? Tu n'es pas dans la vérité. La vérité, c'est que tu es noir. Au compte Pemenen. Au compte Pemenen. La vérité, c'est que Dieu a fait de toi un homme. Au compte Pemenen. C'est ça la vérité. Donc, du moment où tu n'es plus ce que Dieu a voulu que tu sois, tu n'es plus dans la vérité. Dieu veut que tu sois un homme. Yokomi Flavie, Okomi Kuna Ndengeni. Dieu veut que tu sois une femme. Okomi Papi, Okomi Kuna Ndengeni. Bon, Ozalaki Pembe. Ozalaki Noir. Okomi Pembe Ndengeni. Bah, Kento, ça, tout Okomi Noir. Pourquoi? Après, on va.
Hé, hey, yo, comme quoi Ndengeni. Tu vois? Donc, c'est ça la véritable adoration. Et la louange, c'est pratiquement la même chose, mais différemment maintenant. Okay. Louer Dieu, c'est... Bon, c'est vrai, adorer, c'est reconnaître la puissance de Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il est. D'abord, pour l'adoration, c'est la nature de Dieu, reconnaître que Dieu est. La louange, c'est pour ce que Dieu fait pour toi. Je loue mon Dieu parce qu'il a été bon pour moi, parce qu'il fait des choses importantes pour moi, parce qu'il m'empêche de tomber dans le mal, parce qu'il... C'est ça la louange. Et tu loues Dieu tous les jours. Et toutes les actions que tu fais de bien, c'est la louange. C'est quoi la différence? Pardon, les questions arrivent. Louange à l'église, tu veux qu'on se travaille. Dans la musique. Ah, dans la musique. Dans la playback, dans le concert, pour la plupart, ils vont combler les vides qu'ils ont manqués dans les bois de nuit. Alors, ils veulent le faire dans l'église. Parce que c'est la même danse, c'est la même mentalité, c'est le même. Quand on a dansé, il y a un coïmico dans l'église, on a dit, Ah, mais t'as compris, laquelle on peut avoir. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Vous n'avez pas vu araignée? Araignée qui monte, moi tu vois comme Jésus-Christ qui monte, beaucoup de toi, la problème. Dans ces temps, je me suis dit, je suis parti, et qui les bosses sont ici. Et Balouki Mouké, les bosses sont ici. Ça, c'est Dieu. Dieu est vraiment dans sa vie, ma bine est en colo. Quand on dit que ma bine est en colo, on va dire quoi là-bas? Ah, bien, ou bien la colo dans l'engénaire. Bon, vas-y, danse. Ou colo dans moutoupe, bien dans l'engénaire. Ok, non, bien dans l'engénaire. Ok, allons-y. Non, ça dit que, bon, la Bible a aussi dit ça. Hein? Au dernier jour, les deux esprits seront tellement proches qu'on ne saura pas les distinguer. Mais ceux qui auront l'âme, ceux qui auront l'esprit de Dieu, comprendront que Bonzambéza a été Bonzambéza. Merci. Il ne veut pas. Oui. Pas, non. Je ne veux pas dire que c'est un péché. Parce que péché, c'est ce que Dieu dit que c'est un péché. Mais c'est mal. C'est pas bien. C'est pas dans ton état normal que tu agis comme ça. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. La Bible dit, il y a un passage qui dit, ne craignez point. Hein? Je vais trouver le passage, ça va venir. Plusieurs fois, on a interdit, pas on a déconseillé, on interdit la peur. Parce que la peur annule la foi. Tu ne peux pas avoir peur et la foi en même temps. Non. Mais il est normal d'avoir peur. C'est naturel d'avoir peur. Dieu te demande maintenant, quand tu as peur, viens à lui. Quand tu viens à lui, ça veut dire que tu reconnais sa puissance. Et reconnais aussi que ta peur est petite par rapport à ce que Dieu peut faire pour toi. Je vais te donner un exemple. Sans choquer les gens. Supposons que je suis le frère de John Cena. Vous le connaissez, non? John Cena, supporter Baganguana. John Cena. Alors, John Cena, c'est lui, mon vieux. Mais est-ce que, imagine, ne menacez pas Demetre Mouyangabawa, mais je ne vais pas. Parce que John Cena, la vie, n'est-ce pas? J'aurais peur, n'est-ce pas? Parce qu'on a Bangabetanga. Je vais courir, je vais vers le vieux. Mais une fois que je vois le vieux Cena, ma peur doit s'arrêter, non? Je n'ai plus raison d'avoir peur. Parce que je sais que le vieux va les tabasser tous. Mais si je commence à continuer dans la peur, même en étant avec le vieux John Cena, je dois dire ce que je ne crois pas à la force de John Cena. Je sais que ces gens-là peuvent le taper. Et donc j'ai peur que Eko Mamabe. Et ça, John Cena peut être embêté. Il va dire, tu es déjà avec moi, tu as peur pourquoi? On a posé cette question, non? Naza Ozo Bangani. C'est déjà arrivé dans votre vie de tous les jours. Vous dites que Obangani Naza Dizanayo. Comment il est au monde? Mais maintenant, c'est comme Dieu, en fait. Tu peux avoir peur, c'est naturel. Mais une fois que tu sais que Dieu est avec toi, tu dois arrêter d'avoir peur. Transformer cette peur par la foi. Je suis convaincu que Dieu est plus fort que ma maladie. Convaincu que Dieu est plus fort que mon patron qui veut me licencier. Convaincu que Dieu est plus fort que le vent du divorce qui souffle dans mon mariage. Convaincu que Dieu est plus fort que le vent qui souffle pour la rupture de ma famille. Convaincu que Dieu est plus fort que la maladie qui me frappe. Du moment où tu es convaincu au fond de toi. Convaincu, ça veut dire « koum ». Vikiri. Ça veut dire vaincre avec. C'est ça le terme convaincre. En latin, c'est cum vikiri. Ça veut dire je crois de la plus forte manière. Donc ça veut dire je dépasse. Parce que c'est la différence entre la foi et l'espérance. Tu peux espérer, mais tu n'as pas encore la foi.
Parce que la foi, l'espérance, c'est le chemin qui t'amène à la foi. Quand tu as la foi, c'est fini. Donc, c'est pourquoi quand tu as la foi, tu es comme un fou. Parce que la foi et la folie, tu vois que c'est pas très loin. Donc, quand tu as la foi, comme quoi, bon maman, tu as dit, oh, il y a un peu de temps, oh, match est bien. Il a commis déjà. Merci, non. Et puis, il y a un peu de match est si. Et si plus, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Attends, le procureur, je suis quand même avec le président. C'est la même chose. Je suis avec Dieu. Tu ne peux pas m'atteindre. Mais si tu commences à avoir peur tout en étant avec Dieu, ben, y a deux choses. Soit que tu n'es pas avec Dieu ou tu n'es pas avec le bon Dieu. Parce que si tu es avec ton Dieu de Safou ou de Ngaba, ok, tu peux avoir peur parce qu'on ne sait jamais. Mais quand tu as le Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient, lui qui peut dire une chose et ta maladie s'arrête immédiatement. Lui qui peut dire une chose et ton chef c'est transforme parce qu'il a entre ses mains les cœurs des chefs comme ça. Quand tu as Dieu dans ta vie, il n'y a plus de peur, quoi. Tu n'as plus peur.